Yo tout le monde, c'est Den Vidéo. Aujourd'hui on se retrouve directement sur une nouvelle vidéo. Ouh là là, désolé pour les petits lags, ça c'est moi qui viens de commencer à rec. Donc on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Donc là comme vous pouvez le voir, je suis sur le serveur Minecraft. Je sais pas si vous commencez, si vous connaissez. Donc voilà, bah, je vais faire une petite présentation et c'est parti. Donc tout d'abord, je vais commencer par le hub. Donc c'est un hub plutôt très basique, mais qui rend vraiment très très bien. Moi, ce que je kiffe surtout, c'est ouais, voilà, les maisons, les sapins, les arbres, etc. Par contre, je vais cacher le chat parce que sinon, ça va vraiment pas aller. Ok, donc voilà. Là, comme je vous l'avais dit, en fait, ce qui me plaît sur les serveurs, c'est vraiment tous les builds. Qui sont vraiment très très simples mais qui rendent vraiment très très bien. Donc voilà, bah, c'est un petit hub. Au début quand on arrive sur le hub on se dit what, comment ça marche, mais après on s'y fait vraiment très très vite. Je vais directement commencer par les kits entre guillemets. Donc là comme vous pouvez le voir, vous avez accès au VIP, au VIP+, au host et au grade youtubeur. Donc ça vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Donc le VIP, faut tout simplement l'acheter à part le grade youtubeur. Sur lesquels faut faire une vidéo ou avoir je sais pas combien d'abonnés, faut que vous vous renseigniez par rapport au staff. Je mettrai le Twitter du serveur en description. Donc pour les VIP, il faut tout simplement faire slash VIP pour avoir le kit. Après VIP plus et slash VIP avec un VIPP. Oh là là, je pense que je vais changer de skin et de pseudo parce que là on arrête pas de me suivre, c'est vraiment ouf. Après pour les youtubeurs, on a le droit au slash VPP, donc VIPP, donc c'est pour les slash VIP. Et le grade qui est vraiment très très important, donc c'est le host. Donc celui-là vous permettra de lancer en fait des UHC en privé, donc c'est vraiment un truc qui gère. C'est payant hein, logiquement. Du coup je vous mettrai tout simplement le Twitter. Du serveur en description, comme ça vous pourrez aller faire un tour et voir un petit peu comment ça marche. Là j'essaie de faire bouger un petit peu mes abonnés, ça va leur faire du sport. Donc voilà, là il y a les parties, donc c'est tout simplement les UHC Run ou Steam ou bref voilà. Donc il y a plein de systèmes d'UHC sur ce serveur, franchement je trouve ça vraiment très très cool. Donc normalement le spawn est là en fait, quand vous arriverez là vous aurez juste à spawner ici et après vous faire slash register. Voilà, donc nous tout ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se PVP, donc je vais prendre le kit VIP, donc il faudra faire tout simplement slash VIPP. Ok, donc une fois qu'on aura fait la commande, en fait, on aura directement un émeraude. Une fois qu'on a l'émeraude, on aura juste à shooter. Et puis là, vous allez voir, l'épée et tout votre stuff viendra directement. Donc moi, ça va, j'ai un assez bon stuff, logiquement, comme j'ai le grade. Tout simplement, youtubeur. Après, on essaiera de se faire quelques kills, puis voilà. Donc, voilà, franchement, je trouve que c'est un serveur vraiment très, 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 très bien. Je vais vous présenter un petit peu toutes les originalités qu'il y a sur le serveur. Donc déjà une chose très très importante à savoir en fait, dès que vous êtes au PVP, si vous avez la flemme de vous arrêter pour tout simplement manger une pomme et que vous avez tout simplement envie de régène. Ouais bon PVP toi. Ok il veut pas se PVP. On va faire un screen je pense, mais là j'ai pas trop le temps en fait. Ouais voilà, comme je vous l'avais dit en fait, si vous avez la flemme de manger directement votre pomme en attendant quoi, parce que ça prend du temps à manger des pommes, vous aurez juste à taper dessus, donc ça ajoute quelque chose de plus simple, c'est vraiment beaucoup plus facile d'accès, ça rend les pommes vraiment beaucoup plus simples à manger, donc c'est vraiment un gros gros point fort sur le PVP. Voilà, après j'ai pas parlé de la map, mais la map est vraiment énorme, je sais pas si vous voyez genre tous les sapins, les montagnes, etc. C'est vraiment juste énorme, c'est surkiffant. C'est Ifona qui a fait tout ça, je n'ai pas eu la chance de le voir. Vous n'avez pas eu la chance ouais, de le voir en vidéo, mais voilà, si vous allez sur le serveur, vous aurez peut-être une chance de le voir. Donc là, on va essayer de se faire un kill. Et puis voilà. Ok donc voilà, là j'ai fait une petite partie PVP, je pense que vous avez pu le remarquer grâce au montage. Donc voilà, vous avez à peu près compris je pense
Le système du serveur, voilà, la map est juste excellente, elle est vraiment très très belle. Donc voilà, bah, après c'est à peu près tout ce qu'il y a sur le serveur, mais en fait ce serveur va aider tout simplement à développer tout simplement un autre serveur. Donc si vous, vraiment vous avez un peu d'argent et que vous voulez acheter un petit VIP, franchement ça aidera vraiment énormément tous les développeurs du serveur, etc. Du coup, si vous pouvez faire ça, ce serait vraiment très généreux de votre part. Donc voilà. Ok, donc voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo. Ça faisait longtemps, vraiment très très longtemps, que je n'avais pas fait de vidéo sur un serveur et on me l'avait souvent reproché dans les commentaires. Donc voilà, et comme en ce moment il n'y a pas énormément, on va pas se mentir, il n'y a pas énormément de serveurs qui sont vraiment très très cool avec la 1.0, etc. qui est arrivé. Ça a un petit peu tout fait couler. Du coup, voilà, je voulais vous présenter vraiment ce serveur tout simplement car le staff il bosse vraiment beaucoup dessus. Donc voilà, bah, c'est à peu près tout pour la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, je le dis vraiment pas souvent, mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir les likes tout simplement sur les vidéos. Donc voilà, bah, c'est à peu près tout pour la vidéo, j'espère que vous aura plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, et allez, ciao tout le monde.